À l'ancienne, une secte, c'était facile à comprendre. T'avais un gourou dans un endroit avec des adeptes avec lui qui lui avaient donné tout leur fric, et puis au bout d'un moment, il faisait un suicide collectif. Maintenant, j'ai des liens sponsorisés vers le site de Raël sur mon fil d'actualité Facebook. Yo les gens, aujourd'hui on va parler d'un truc. M'interpelle et qui me fait un peu flipper, c'est euh, le phénomène des nouvelles sectes, un peu, j'appelle ça comme ça. T'as des espèces de gourous qui font circuler des idées euh, très new age euh, avec beaucoup de spiritualité dedans et beaucoup de bullshit surtout et qui embrouillent les gens comme ça dans des espèces de délires euh, pseudo-religieux euh, bizarres pour au final leur vendre des bouquins, des formations, euh, toutes sortes de trucs, euh, parfois des. Euh, délires de médium avec euh, « je communique avec tes, tes proches euh, décédés », etc. Et en fait, euh, grâce à Internet et euh, l'information et la manière dont elle circule maintenant, surtout, t'as des nouveaux phénomènes comme ça qui euh, font un peu flipper. C'est plus vraiment des sectes, mais euh, c'est tout aussi dangereux en fait, parce que t'as des gens qui se font, qui se font carottes à l'autre bout, en fait qui se font prendre leur fric, qui se font manipuler mentalement, souvent des gens faibles qui se font, bah, qui se font manipuler et, et qu'on affaiblit mentalement. C'est des sujets donc qui méritent selon moi euh, de l'intérêt parce que euh, ils sont dangereux. Il y a du danger, comme dirait Bernie. Je voulais revenir sur un cas particulier en fait aujourd'hui parce qu'il y a un truc qui circule sur Facebook en ce moment sur un délire de euh, vos enfants vous ont choisi avant leur naissance. Donc déjà, c'est euh, tordu, il hein, faut, faut le capter. Euh, ça veut dire que l'âme de vos enfants a choisi de naître euh, comme étant votre enfant avant même que vous le conceviez, etc. Alors quand on approfondit un petit peu, c'est vraiment complètement tordu, très incohérent, ça tient pas debout une seule seconde, c'est vraiment des croyances... Euh, des croyances manipulatoires, j'ai envie de dire, parce que c'est des, des croyances qui, à part servir à manipuler quelqu'un, n'ont pas grand intérêt, si tant est que des croyances puissent avoir un intérêt. Je ne sais pas si c'est le cas, mais euh, en tout cas, ces croyances-là sont pour moi euh, des routes euh, vers de potentielles manipulations fortes et il y a un truc notamment quand j'ai approfondi un petit peu le sujet qui m'a a attiré mon attention c'est le délire des régressions alors la régression c'est quelque chose qu'on fait en hypnose qui permet de remonter dans les souvenirs on va dire pour simplifier sauf que en vrai les souvenirs ne sont pas des choses objectives c'est ça qu'il faut comprendre et que même quand on se souvient de quelque chose, c'est jamais objectif. C'est transformé par ce qu'on a vécu depuis, euh, transformé par euh, nos prismes qui de toute façon transforment la réalité objective en ce que nous on en reçoit. En aucun cas, c'est quelque chose d'objectif. Un souvenir. Déjà un souvenir normal. Dans le cas des régressions en hypnose, on fait... Parfois, ressurgir, je mets des gros guillemets, des souvenirs. Donc, euh, déjà, selon comment on l'amène à la personne, on peut soit lui expliquer que ce n'est pas quelque chose d'objectif, comme je suis en train de vous le dire, soit euh, simplement lui laisser penser ce qu'elle veut. Et en général, la personne se dira Waouh, c'est quelque chose que j'avais complètement oublié et qui s'est passé. quoi. Clairement, c'est quelque chose de concret. Euh, ça s'est passé comme je viens de le revivre là. Euh, c'est fou, j'avais totalement oublié euh, cette réalité qui s'était cachée dans un coin de moi, dans un coin de ma tête. C'est pas du tout ça, hein. c'est pas du tout une réalité qui ressurgit. Non, c'est euh, des choses qui ressurgissent peut-être, des émotions, des, euh, des choses qui peuvent être très intéressantes et qui peuvent permettre de travailler sur euh, certains problèmes euh, internes, etc mais c'est pas de la réalité concrète quoi, c'est pas du... pas de l'objectif à 100% euh, jamais. Et donc, j'ai un problème avec le délire des régressions soit prénatales, soit carrément dans des vies antérieures. Ça se fait aussi en hypnose. On peut régresser dans ses souvenirs et remonter jusqu'à des vies antérieures. Mais pour ça, il faut croire aux vies antérieures déjà. <laughs> Parce que si fondamentalement tu ne crois pas aux vies antérieures, tu ne pourras jamais régresser dans une vie antérieure, parce que c'est pas quelque chose qui existe dans ta tête. Et les gens qui font circuler ces infos de vos enfants vous ont choisi avant votre naissance utilisent apparemment ces techniques de régression. Et ce que ça veut dire, pour moi c'est assez clair, c'est qu'ils font croire à des personnes, en les faisant régresser jusqu'à avant leur naissance, qu'ils ont choisi leurs parents avant de naître. Et que donc, c'est une réalité, les enfants choisissent leurs parents avant leur naissance, on a une âme, etc. Sauf que tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est de la suggestion. L'hypnose, c'est de la suggestion. On suggère des choses, on dirige la personne et son mental dans certaines directions, on l'aide, ou on la dirige et on la manipule. Dans tous les cas, on la manipule. J'ai fait déjà une vidéo là-dessus qui explique que la manipulation, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais ça peut être quelque chose de mauvais. Et quand c'est utilisé à mauvais escient, avec un but soit de soumission de la personne, soit d'emprise de... sur la personne, bah là il y a un gros problème. Parce que euh, l'hypnose permet d'avoir une emprise plus forte sur la personne, si on est mal intentionné. Donc voilà, apparemment, il y a des gens qui utilisent l'hypnose pour ancrer des croyances dans d'autres personnes, alors que selon moi, ils n'ont même pas ces croyances, parce que sinon, ils ne seraient pas aussi incohérents. Je pense que leur but, c'est de faire du fric à un moment donné. Ou alors, s'ils y croient, ils sont vraiment très, très loin et très, très perchés. Et dans tous les cas, ils font du prosélytisme à l'aide d'hypnose. Et ça, ça me dérange vraiment, vraiment beaucoup. Si le sujet des souvenirs vous intéresse, et notamment des faux souvenirs, parce que c'est de ça dont on parle, on parle de gens qui intègrent de faux souvenirs à la mémoire d'autres gens dans un but lucratif, selon moi, à terme. Si le sujet des faux souvenirs vous intéresse, je vous conseille de vous renseigner. Il y a eu des expériences de fait, Il y a eu, et là, je ne parle même pas d'hypnose. On peut Créer des faux souvenirs dans la mémoire des gens, de manière assez simple, c'est hallucinant quand on s'intéresse au sujet, c'est assez fou, franchement. Et on est tous faibles face à ça, on est tous pareils. On peut tous se faire avoir. Alors les expériences dont je parle, c'est des trucs anodins. C'est intégrer des faux souvenirs, mais sans conséquence chez des gens. C'est assez facile à faire. Donc en plus en utilisant l'hypnose, et ce qu'elle permet, et le pouvoir de la suggestion, avec un but malveillant, comme je le disais euh, plus tôt, parce qu'il n'y a pas de bienveillance euh, dans le fait de chercher juste à soutirer de l'argent à des gens. Hein. Je trouve ça immonde, ignoble, je ne sais pas comment le dire autrement. Je trouve ça euh, malsain et ça me dérange énormément. Surtout que euh, <laughs> ils le font apparemment en utilisant l'hypnose, qui est euh, un art qui me tient à cœur. Et qui peut, euh, comme euh, plein d'autres domaines, être utilisé à bon escient ou à mauvais escient. Là, c'est fait à mauvais escient. Voilà, renseignez-vous sur tous ces sujets si ça vous intéresse. Euh, ne vous faites pas avoir par euh, quelqu'un qui va prétendre euh, vous faire régresser euh, à une époque où vous n'aviez pas encore de souvenirs. Si vos plus vieux souvenirs, c'est quand vous aviez, euh, je ne sais pas, 7-8 piges. Ne pensez pas qu'on va vous faire remonter des souvenirs concrets, aussi forts que ceux d'hier, de l'époque où vous aviez trois piges, ou, ou avant ça, ça n'a aucun sens, c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de magie dans l'hypnose, il n'y a pas de tout ça, ne croyez pas à ce qu'on vous dit, vérifiez les choses, recoupez les sources, cherchez les incohérences, un discours qui a des incohérences, il faut s'en méfier. Voilà, prenez soin de vous les gens, c'était Bugs. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Et à mes autres réseaux si mes contenus vous plaisent. A demain pour une autre vidéo. Peace.